une petite fille surnommée le petit chaperon rouge qui se promenait. La 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 la, les biscuits de mer grand. Dans son panier, elle avait préparé des biscuits qu'elle avait soigneusement préparés pour sa grand-mère. Mère grand. Mère grand, grand-mère, c'est pareil, ok? Oh! De toute façon, c'est moi qui raconte l'histoire. Ah oui, quand tout à coup, de nulle part, surgit le grand méchant loup. Ah ah! Je suis le grand méchant loup. Ah, il me surprend toujours, lui. Et là, le grand méchant loup aperçut le petit chaperon rouge. Oh! Mais arrête un peu. Où vas-tu donc d'un air si pressé? Je dois me rendre chez ma grand-mère. T'avais dit mère grand tantôt. Je suis mère grand. Ah, c'est pour, ça. Pour lui apporter des biscuits. Qu'est-ce qui est ça? Je ne peux pas voir. Quelqu'un me l'aide. Ta pote. Une honte, c'est drôle. Les cochinots. Mais voyons, il me semble que cet interlude était plutôt inhabituel, n'est-ce pas? Plutôt, oui. Même que changer les histoires me paraît tout à coup une bonne idée. Oh, viens ici, toi, petit chaperon rouge. J'en ai assez de toujours finir la victime dans ces histoires. Oh, yoy. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, j'ai mal au bras. Ah, où c'est que je suis? C'était qui, lui? Je l'ai jamais vu avant. Je me demande qui est bon ou qui est méchant. Il revient. Je vais me cacher. Je vais me cacher. Laissez mon panier comme appât. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Aïe, aïe. J'ai mal. Arrêtez. Arrêtez mon panier. Ils sont partis. Mais où c'est que je suis? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au bras. Chut! Que c'est ça? J'avais entendu ça? Qu'est-ce qui se passe avec mes épaules? Chut! Ok, là, vous l'avez entendu, c'est pas juste dans ma tête, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Où c'est que je suis? C'est quoi ça? Une forêt? Un palmier? Oh! Des biscuits dedans? Un palmier? Des biscuits? Oh, je sais où je suis, dans un monde de contes! Ah oui! Je sais c'est quoi ça, les contes, parce que moi, quand ça va mal à l'Élopus, l'Élopus, ça, c'est la place où je viens. Ben, je me raconte tout le temps des histoires, parce que c'est ça que je faisais quand j'étais... Mais c'est la première fois que je suis dedans! Je suis dans le monde de contes! Oh, ça fait un coup, du coup, que j'ai mangé sa tête. En parlant de manger... Attendez, Wild. Hey! Quoi, c'est hey! Le chaperon rouge! Arrête! Le chaperon rouge, je l'ai retrouvé! S'il vous plaît, fais pas de bruit, ok? Oh, peigne! Quoi? Peigne, c'est mon nom! Ah! Mais c'est quoi ça? C'est le grand méchant, lui! Oui, c'est vrai, grand méchant, lui, mais le chaperon! Mais qu'est-ce que tu fais là? Faut pas que tu te caches, il va venir te trouver ici! Ici, ok? Pas avec le panier! Mais d'habitude, t'es quoi avec le panier? Tu t'en vas amener ça chez grand-mère? Ou si tu m'aideras? D'habitude, c'est ça, ok? Mais depuis quelque temps, le loup et tous les autres méchants, ils ont décidé de changer les comptes. C'est pour ça que je laisse mes biscuits, pour changer. Mm. Bon, t'as compris? Non, pas tout à fait encore, c'est juste que tes biscuits sont vraiment bons! Ben, je vais te dire ça, c'est ça les épaules, c'est pour ça qu'ils font mal. Non. Moi, je pense que ça, là, c'est des muscles qui commencent à se développer. Mmh. Ben oui, pour affronter le grand méchant loup. Ben oui, c'est toi. Ben oui, des muscles, bien sûr. Hey, j'ai déjà lu, à la fin du grand livre des règlements des comptes, que... Si la balance du pouvoir est renversée, un chevalier magique viendra vous sauver. C'est ça qui explique.
chevalier. Petit pou, 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 petit